Parce que ouais, pour ceux qui n'auraient pas suivi, en gros, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir sur YouTube. On avait suivi un hiver split push en bas Elo, en Europe de l'Est, qui avait un gameplay insane. Et en gros, t'as des viewers qui m'ont poke. Et en effet, il a changé son gameplay. Donc attends, tu vois, on va remonter. Donc ça, c'est le nouveau gameplay. Mais qui spamme tellement le nombre de games. Là, tout ce qu'on a vu là, c'est 3 jours de game. Hein. Et du coup, j'ai même du mal à retrouver. C'était il y a juste une semaine. Hein. J'ai du mal à retrouver ces anciennes games. Ah voilà, il y en a quelques-unes. Hein. Tu regardes, il y a quelques runes de Spellbook. Donc on remonte encore un petit peu. Et on y est normalement. Voilà. Voilà, donc ça, c'était son playstyle avant. Phantom Smite, mais avec Spellbook. Item AP, Warmog, Homebreaker, Dawn Nashor. Mais il a évolué. Il a évolué sur une nouvelle forme de quelque chose. De quelque chose. Il fait botte de lucidité, attrape sort premier item, into upgrade de l'item jungle AP, into Rabadon. Ah non, into ombre jumelle, et après au choix, Dawn Nashor ou Rabadon. Waouh. Wow. On va juste prendre 2 secondes. Juste histoire de confirmer que juste son gameplay n'est pas changé. Parce que voilà, il a changé les runes, il a changé le build. Ah, il y a des Shurelia maintenant. Il a abandonné la trappe sort, il s'est dit Shurelia c'était mieux. Il fait encensoir ardent. Mec, attends, il est en train d'évoluer, mec. Il fait des items qui ont de plus en plus de sens. Mec, son build a de plus en plus de sens. C'est fou. Il a vu ta vidéo. C'est un abonné. C'est un abonné. Ah non, mais bon, non, s'il te plaît. Non, par contre, si t'es un abonné, s'il te plaît, fais pas Lizzybane. Non. Non, s'il te plaît. Mec, le conseil, si tu regardes les vidéos, le conseil que je te donne, c'est joue Jax. Tu fais que split shop. Si tu fais que split push, joue Jax. Non, après, ça se trouve, il juste kiffe Hiverne. Non, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, mec. En vrai, sur comment tu joues le Lizzybane, c'est pas mal. Mais du coup, fais pas un encensoir ardent. Ou alors, va split push avec quelqu'un. Insane. Ça va, Manati? Tu penses quoi de Ivern Ghost Might Predator, Manati? Ouais, on peut le dire, ouais. Ma team fait un truc pour soft hints. Ouais, absolument, ouais. Il a perdu toutes ses games. Hein. En vrai, j'ai l'impression que depuis qu'il a changé de rune, il fait beaucoup de défaites. Pas beaucoup de wins. Ouais. Après, en vrai, il y a une semaine de ça, quand on avait regardé son profil, c'était très bleu. Donc, ça équilibre un peu les choses. J'ai jamais vu une série de loose pareille. C'est vrai qu'elle a une saveur unique. Ça c'est clair et net. Bon alors, voyons voir. Est-ce que ça a changé un peu ce qu'il nous fait? Ok, il marque son rouge, son bleu. J'ai besoin de voir la POV bleue. La POV rouge, pardon. Parce que j'ai un doute. Si, il le voit! Bref. Bah, bien joué! Bien joué! Ça cool.
Oh, ça vient vraiment de se passer ça. Hop, les hop. La petite taxe, complètement gratuite. Bien. Salut mec. Non, en vrai il aide la push. En vrai il aide la push, c'est bien ce qu'il fait. En vrai, c'est bien ce qu'il fait. Ça peut paraître comme étant de la merde, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est juste que c'est fait. Ouais, c'est fait maladroitement. C'est fait maladroitement, donc t'as l'impression que c'est nul, mais en fait, c'est ce qu'il fait là-bas. Là, par contre, je ferai pas de commentaire. Oh mec, il en a mais alors tellement rien à foutre. Mec, il essuie ses couilles sur le front de Wukong, hein. Mec, sa vie, mais il a la meilleure vie, hein. Je te jure, il vit la meilleure existence de cette planète. Regarde-le. Et en plus, ils vont kill Wukong, hein. Regarde ce boss, mec. C'est vraiment un crack international. Son bash en plein milieu de la wave, hein. Allez, petit bac. Ah ouais, carrément, le one shot des bots. Et il prédateur pour... Non. Il utilise le prédateur comme il utilise le fantôme avant. Il sort de la base avec. Mais putain de merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un être humain incroyable, putain. Il veut vraiment prendre toute la jungle de Wukong. Oh la vache. Ah ouais, mais Wukong est AFK en fait. Wukong il veut plus jouer la game. Mais attends, mais ils ont perdu cette game. C'est de plus en plus bizarre. Ok, Wukong se recoupe. Ça va. Bon, après, évidemment, vu qu'il a un PC horrible, il met 40 ans à revenir dans la partie. En vrai, du coup, mec, il se fait plaisir. Hein. Mec, il a enculé la jungle de Wukong. Hein. Du coup, Wukong il va top. Regardez-le. Mec, c'est vraiment sa jungle maintenant. Regarde-le. Oh. Ouais, Yasuo il veut plus trop jouer aussi. Ouais, ça, son problème c'est qu'il aime trop farm. Avec un champion qui est censé trop gank. Hop, les lances en soir ardent. Toujours le prédateur pour sortir de la base, hein, c'est important. Il va directement au rouge de Wukong. Putain, quel boss! Oh, il va se battre. Ok. Le fantôme qui paye. Oh, s'il te plaît, va te battre, mec. C'est up des bush. Le fight qui n'a aucun sens. Genre, il y a des 8 personnes. Alors, des 8 personnes. Les 8 personnes investies dans ce fight, je te promets qu'il n'y en a aucune. Il n'y en a pas une seule qui sait pourquoi ce fight se passe. Hein. C'est vraiment juste. Ils se sont retrouvés sur la mid lane et ils se sont dit que c'était le moment de se mettre sur la gueule. Il n'y a aucune autre raison. Regarde-le. Hop les... C'est vrai que j'avais pas fait gaffe. C'est un Wukong Ghost Smite contre un Ivern Ghost Smite. Non mais... Quel game, les amis. Juste quel game. Il a tellement de farm en vrai. Pour son elo évidemment. T'es en terre.
Ah, là, tu peux pas, là, tu peux pas Predator, hein. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ce Predator? Vu que tu l'as posé pour sortir de la base. Non, le joke, mec, c'est des games. Pour l'instant, c'est que du farm. Il a fait que farmer tout le temps. Il défend son carapater, ça me tue. Allez hop. Ok, il pète la gueule en vrai. Putain, mec, il y a un autre joke. Genre, vraiment, j'ai. Il en a tellement rien à foutre, mec. Mec, ses couilles sont tellement énormes que ça allait prendre la place du cerveau en fait. Regarde-le, mec. Là, il se fait éclater la gueule, il prend le bleu, il se casse avec son fantôme. Pardon, aucun problème. Mec, regarde comment il s'en bat les couilles. Et il vient en flanking et il repart. Sa team est en train de se battre, mais ça a pas changé. Hein. Les runes, les items, ça a changé, mais le... Voilà, son équipe est en pleine bataille. Lui passe entre les tours et il va farmer. Et cette team est en train de se battre depuis tout à l'heure. Hein. Voilà, vache. Très bon flash out. Merci Ashki. Bon, 4 merci beaucoup. Ah, un dragon quand même. Hop, petite bataille au passage. Tu remarqueras quand même que il ne prend des fights que quand ça lui tombe dessus. Hein. C'est jamais. Il est jamais initiateur d'un mouvement agressif. Hein. Lui, il est juste là pour farm. Hein. En fait, il cosplay. En fait, il cosplay Hiverne IRL, no joke. Très bon flash out. Et merci Oxy également pour les 23 mains. Regarde en botlane. Hein. Alors, botlane, c'est la guerre. Ils sont 4 bots. Ils pourraient se fight ou quoi. Non, lui, mec, il se pose même pas la question. Il se pose même pas la question directement. Hop, les, je retourne farmer. Genre, vraiment, il va se battre uniquement s'il n'a pas le choix, en fait. En fait, il est tombé. En fait, il est juste. Mais en fait, c'est pour ça qu'il a changé son build. En fait, il a découvert qu'il aimait trop la vitesse. Bot de swiftness. Encensoir ardent, pourquoi? Parce que ça se fait avec le feu follet. Attrape sort, pourquoi? Parce que ça se fait avec le feu follet. Lich Bane, pourquoi? Parce que ça se fait avec le feu follet. Il aime juste la vitesse. Il aime la paix et la vitesse. C'est tout ce qu'il aime. Parce que voilà, on regarde la chose en accéléré depuis tout à l'heure, mais regardez-le, il a 515 MS de base. 515! Et il a Predator et il a Fantôme par-dessus. Je suis pris de vertige. Je veux juste avancer et voir la fin de la... J'ai quand même envie de voir la partie. J'ai un train à prendre, mais j'ai quand même envie de voir la fin de la partie. Là, c'est... Je suis obligé d'aller au bout de ça, en fait. Wow. Mec, vraiment, en vrai, quand il se bat, il a un impact pas léger. Mec, il éclate tout le monde. Hop, il retourne farm. Ça va, Théo? Mais tu vois, genre, mais en fait, se battre, c'est jamais son objectif premier, en fait. Il veut toujours aller vers le farm, ou aller vers une tour, ou aller vers un objectif. Mais il va jamais, jamais chercher à gank, il va jamais chercher à se battre. Mec, tu te rends compte qu'il a un bounty de 1000 gold, hein. Il a 236. C'est by far le top farmer de la game, hein. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de ouf, hein. Regarde, je te jure, hein, il s'éloigne le plus possible de tout ce qui peut être autre chose que farmer.
Et on avait un personne de test, hein. Mec, Shurelia, ombre jumelle, mais que de la vitesse, hein. Oh, le flanking. Ah, dommage, il a pas touché ce nom. Joli Zonia. Il sait plus ce qu'il veut faire. Il est perdu. Regarde-le. Et normalement, voilà, il fait le tour et il va farm. Waouh. Je suis mort, c'est vraiment un hiver de speed push en plus, c'est vraiment ouf. Regardez-le. Mec, ça colle. En fait, ça colle tellement à Ivern. C'est vraiment genre. C'est tellement parfait que ce soit sur Ivern qui fasse ça. Il farm, mec, il s'arrête jamais de farm. Tu te rends compte que, mec, c'est un silver en Europe de l'Est, il a 300 CS en 30 minutes. Enfin, 33 minutes. C'est vraiment un truc de ouf. Et regarde, ils arrivent pas à le tuer. Il est trop rapide. Il est trop vif. Je crois que notre joke pour l'instant c'est le. Il bat le record de longévité de l'émission, mais de très très loin. Hein. Jamais un mec qu'on a specté sur les pirates du game est resté en vie aussi longtemps. Hein. Il va tout droit, qu'est-ce qu'il fait? Mec, il a couru tout droit jusqu'à la tour. Stop. Mec, il a couru tout droit à la tour. Et dès qu'il y a quelqu'un, il s'en va. Mais what the fuck? Oh, il va mourir. Oh, il dodge tout. Oh mec, s'il te plaît, meurs pas. Ok. Ah, il a fini par mourir. Mec, il a fini par mourir, mais il a fait qu'une seule mort de toute cette merde. De tout le bordel qu'il a vu, il est mort. Mec, c'est vraiment le... Mec, franchement, avec cette game... Alors, j'ai dit tout à l'heure que mon top 2, c'était sûrement Udyr puis Ivern. Je pense qu'il est passé devant. Je pense franchement que lui, il passe devant Udyr. No joke, je pense qu'il passe devant Udyr. Franchement, c'est trop incroyable ce qu'il fait. C'est trop incroyable, je peux pas ignorer ça. Genre, Ivern, mec, Mac B, je sais pas, comme tu veux. Mec, je te fais passer numéro 1. Mec, franchement, je te fais passer numéro 1. Genre, franchement, je te fais passer devant Udyr. Parce que... Mec, c'est vraiment incroyable ce qu'il se fait. Mec, c'est incroyable. Alors, à quel point il se sent pas les couilles de la game. C'est vraiment un truc de fou.